Nous avons un cinéma que le monde entier nous envie. On ramasse des Palmes, des Césars, des Oscars, des Gaspard, des Balthazar. Et en plus, vous savez quoi? Eh ben, ce cinéma-là, il attire les foules. En vrai, les amis? On va tester vos connaissances sur le cinéma belge. Si vous répondez correctement à un blind test, vous avez droit à des tickets gratuits. Facile. Benoît Poulvord. Ça va. Jaco van der Mal. Oh là là là, ça commence fort. Vous pouvez faire appel à un ami, vous avez le 50-50 ou l'avis du public. Oh, il est beau, lui. Ah oui, ah, Matthias Schoenaerts. Ah. Oui, Matthias Schoenaerts. Allez, point accordé. De France, Cécile de France. Et enfin... Les frères d'Ardenne. Ah, ils sont beaux, les frères. Vous êtes une vraie experte du cinéma belge? Oui, du cinéma, tout simplement. Cinéma, tout simplement. Et qu'est-ce que le cinéma belge revendique par rapport aux autres cinémas? Qu'est-ce qu'il a en plus? Du talent! Bonjour, j'ai perdu un pari et je dois vous payer 3 places pour le Nouveau Testament. Très bien. Ça m'apprendra à faire des paris. Bon film. Merci. Bon, les filles, j'ai un super plan à vous proposer ce soir. Un petit film belge dont vous me direz des nouvelles. C'est ça qu'on va voir en principe. Ah donc vous êtes vraiment des intellos. Est-ce que vous savez me citer un film belge? Bah, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, un acteur belge. Jean Dujardin. Moi je croyais qu'on allait voir un blockbuster américain, un petit Armageddon, un truc comme ça. Vous voulez m'envoyer voir Jaco van der Mal? Bah ouais. Donc vous aimez vraiment le cinéma? Oui. Un réalisateur belge? François Truffaut. Eh ben voilà. On dit souvent que le cinéma belge est un télo, un petit peu ennuyeux, parfois pas toujours funky. Bah c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques films où c'était un peu galère, mais là on revient un peu plus dans l'humour, donc je trouve ça sympa. Est-ce que vous avez des pop-corns spéciales cinéma belge? Oui, bien sûr. Ils sont comment? Un peu mou, un peu dur, un peu dramatique, un peu funky? Un peu funky? Allez, on prend un grand alors. Il y a quelques trucs intéressants dans le cinéma belge aussi. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme film? On a du mal à trouver. Hein. Heureusement qu'on a Benoît Poulvord. Heureusement. Bah, chaque fois qu'il y a un bon belge, les Français veulent le choper. Il reste ici. Benoît, reste ici. Benoît, reste ici. Ouais, parce que sinon, le cinéma belge... C'est fini. Voilà. Hey, le cinéma belge, c'est quand même puissant, c'est rythmé, c'est balancé, c'est enjoué. Moi, je vous assure, j'ai pas vu le temps passer.